جيبوا لي العذاب غادي يجي العذاب شوف نقول له الله يهديك سيدي سما فوالا شكرا فوالا هو كابتن كل واحد مصيب يقول السلام عليكم. Non, pas vous, madame, vous n'êtes pas une personne publique. Moi non plus, j'ai pas envie. Voilà, la dame, elle a raison. Elle a raison, la dame, voilà. Oui, elle a raison, oui. Vous expliquez votre présence ici. Je suis ici pour écouter le ministre et en même temps pour appuyer le projet de la constitution marocaine. Vous croyez que le projet de constitution satisfait le peuple marocain? Je crois ce que je pense. Moi, monsieur, moi je suis parlementaire depuis 1995, donc j'ai une expérience comme parlementaire. Je suis un ancien de 23 mars, je suis un ancien détenu politique. Et donc je crois que le Maroc fait un pas important vers la démocratie. Et donc voilà, je suis là pour appuyer. Avant ça, il n'était pas suffisamment démocratique. Si, il n'était pas suffisamment démocratique, mais chaque constitution avance dans la démocratie. Il n'était pas suffisamment démocratique, ça c'est clair. Mais chaque constitution apporte un pas. Et ce n'est pas la pas décisif non plus. Donc il faut encore s'attendre à qu'il y ait aussi des progrès. Et par rapport à la corruption au Maroc, vous pensez qu'il règle le problème dans la nouvelle par rapport au projet de réforme? Mais vous savez, dans le Maroc comme d'autres, hein, les deux choses, soit qu'on veut qu'il y ait qu'un pays qui soit chaos, soit qu'on veut qu'il progresse. Le problème de la corruption ne date pas d'aujourd'hui et il n'y a pas une baguette magique pour arrêter ce fléau. Donc, nous condamnons tous et qu'il faut faire tous les moyens pour combattre disons, la corruption. Et alors la corruption doit se combattre à tous les niveaux. Au niveau citoyen, il ne doit pas la donner. Au niveau celui qui la prend et au niveau de la sanction. Donc voilà. Et ça ne vous gêne pas que le roi continue à régner et à gouverner en même temps? Personnellement? Oui. Non, je pense, moi je viens de vous dire, non, personnellement, c'est... Vous savez, dans les républiques, il y a l'institution républicaine. Ici, il faut qu'il y ait une institution qui garantisse un peu la stabilité du Maroc, avec toutes les Marocs là, avec toutes les composantes. Et personnellement, donc le roi actuellement, c'est la seule garantie pour garantir cette stabilité. Qu'elle ait été imposée par le roi, ça ne vous gêne pas? Bah, écoutez... Ça, c'est votre... Vous avez été élu par le peuple, vous? Moi, je suis élu par le peuple, oui. Et bon, au Maroc, ce n'est pas vraiment le cas. Moi, vous savez, il y a les démarches où les élus, même dans ce pays-là, que je connais très bien, et dans d'autres, où certaines choses pourront se faire par des tiers. Donc, autant que ce soit, c'est une commission indépendante, mais moi, je parle de textes que je lis personnellement, donc je n'ai pas entendu d'eux. Donc, en tant que... Comme aussi qui fréquente beaucoup la Constitution, je sais aussi de quoi je parle. Et donc, bon, c'est un texte qui n'est pas parfait, donc on ne peut pas dire qu'il est imparfait. Il y a des lacunes, il y a des choses à améliorer, mais c'est un pas vers la direction. Je vous remercie. Je vous en prie. À condition que vous passez tout, hein. Vous ne pouvez pas le couper. Hein. Non, non. Non, mais parce que c'est très important. Hein. Non, parce qu'on va prendre uniquement certains de trucs. Hein. Croyez-moi. Bon. Ils ont empêché Rachid de rentrer. La porte. J'ai filmé. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Vous ne savez pas quoi c'est. Sinon, je vais vous demander. Invitation de la chaîne. Attends. Oui. Non, non. Excusez-moi, je ne peux pas, excusez-moi. Excusez-moi.
Monsieur le ministre, comment allez-vous? Ça va, vous allez bien? Ça va et vous? عيط للبوليس من دابا ماشي انا هنا دي كونسين انا قالوا لي ما تدخلوش ما تدخلوش سي تو ولاو نعطيك التصويره ديالي عطوني التصويره عطوني كلشي اشرف انا ما نعيني قال لك واش انا هذه زوينه هذه ما عرفتش حتى هذه هي Vous l'êtes, vous lui interdisez l'accès à une rencontre publique pour tous les Marocains ici résidant à l'étranger. De quel droit? De quel droit? Allahumma inna hada munkar. Mouatin maghribi yumna min dukhul liqa' umumi ma' al-wazir. Alash li'annahu kanin hnaya nas la yutiqun sama' kalimat al-haq. Il n'arrive plus à entendre la voix de la vérité. Elles viennent ici pour commercialiser et pour faire passer un message du Mahzen dans le dernier quart d'heure. Il y a une réunion donc publique d'un ministre marocain avec tous les Marocains résidant ici en Belgique et à Bruxelles. On m'interdit l'accès. La sécurité m'interdit l'accès sans aucun droit, sans aucune base juridique. Alors je vous prie, j'appelle la police parce que... Oui. Alors, juste derrière la gare centrale, Square Brussels Meeting Center, vous connaissez? Je sais. Je suis maintenant en train de parler avec la police parce qu'on est en train de me filmer. Ah. Je suis devant le Square Brussels Meeting Center. Sinon, je veux bien remonter les escaliers. Oui. Je suis l'adjoint de l'ambassadeur. Venez juste vous deux. Allez, venez.